Eh bien salut tout le monde, c'est XVSK et comme promis je vais donc vous faire une petite vidéo sur donc le dernier né de Bethesda Studio, c'est-à-dire The Elder Scrolls V Skyrim. Mais tout d'abord je tiens à passer deux dédicaces, surtout une grosse dédicace à The King of the Dunk qui m'a permis justement de régler mon petit bug sonore de merde qui faisait en sorte que les voix étaient tellement basses qu'on n'entendait plus rien. C'était assez horrible. Donc merci à toi, si vous voulez aller voir sa chaîne, elle est dans la description. Et aussi à Ju, hein, qui elle aime bien me tirer les oreilles quand je dis que je suis pas vraiment un grand fan des Elder Scrolls, parce que oui, je ne suis vraiment pas un grand fan des Elder Scrolls, même si j'admets que ces jeux sont pétris de qualité. Les jeux Bethesda m'ont souvent laissé indifférent, hein. C'est pas le genre de jeu que j'aime jouer, enfin, à la normale, on va dire. Moi, ce que j'aime dans ce genre de jeu, étrangement, c'est de tricher. Et oui, XVSK est un vilain tricheur quand il s'agit de jouer à Fallout ou à The Elder Scrolls. Mais je n'y peux rien, c'est le genre de jeu où est-ce que je m'ennuie si je n'ai pas un sentiment de puissance, on va dire, dès le début du jeu. Même si justement c'est le but du jeu, avancer, que notre personnage monte en niveau, nouvelles armures, plus de puissance, plus de nouvelles compétences et tout ce qui va avec. Mais voilà, malheureusement je n'adhère pas à ce genre de jeu, même si j'admets que ce sont quand même des RPG extraordinaires, et qu'à ce niveau-là, à part fermer ma gueule, c'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, donc je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo découverte dessus, et je vais tenir parole donc. Enfin, petite vidéo découverte, bah on est quand même parti pour plus d'une heure donc. Allez, je vais lancer l'introduction. J'espère qu'il va pas me refaire le bug en chemin, parce que ça serait quand même con que j'ai dit tout ça et qu'au final le bug réapparaît. Mais à mon avis, il ne réapparaîtra pas. Donc allez, on se retrouve pour la création du personnage. À tantôt! Tiens, vous avez fini par vous réveiller? Vous avez essayé de traverser la frontière? Pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, et ce voleur-là. Maudit sauvage. La bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval, et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Et puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, nous en est-il? Aucune importance. Sauvegarde est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. Hey, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Chor, Aral, Dibel, Kinaret, Akatosh, divin, s'il vous plaît, aidez-moi. Regardez. Général Tullius, vous
gouverneur militaire. On dirait que les Talmor sont avec lui. Satanuel. Je parie qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. C'est la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous, c'est une erreur. Avancez en direction du bio quand vous entendez votre nom, un seul à la fois. L'Empire adore ces satanés. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir ? Attendez. Vous, là ! Avancez ! Qui êtes-vous ? Donc voilà, maintenant on se retrouve justement pour la création du personnage. Donc, vous voyez qu'on a quand même un bon gros choix de personnages, hein, comme dans tous les Elder Scrolls. Bon, on va pas s'en dire, hein. Vous voyez, les elfes ne donnent vraiment pas envie de jouer les elfes tellement ils ont une seule gueule. Les impériaux, les Khajiit, les hommes et femmes chats, les nordiques, les orques. D'ailleurs, World of Warcraft devrait prendre de la graine pour faire leurs orques parce que je trouve que ceux-là sont beaucoup plus réalistes. Mais bon, désolé, j'avais juste envie un peu de troller, c'est tout. Et un rouge garde. Ah, il ressemble un peu à Dark, lui, vous trouvez pas? Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il a une légère ressemblance avec. Bon, ben moi je vais jouer un impérial. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai envie de jouer un impérial. Déjà, comme un salaud, je vais faire une femme. On va mettre les trucs prédéterminés parce que moi j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, bon, ben y a pas grand masse de choix. Donc on va. Ah! Ouais, voilà. On va la faire un peu plus bronzée, la fille. Voilà. Poids, de toute façon, ça sert à rien. Hein. Ça s'en fera pas une grosse vache, donc. Bon, allez. Bon, la tête, on va pas changer. Hein. On va laisser tout ça comme ça. Hein. Ouais, ça me paraît bon. On va appuyer sur terminer. Ok. On va l'appeler Coquinette. Ça lui ira bien. Vous êtes bien loin de la cité impériale. Qu'est-ce que vous faites en bord de ciel ? Capitaine, que fait-on ? Elle ne figure pas sur la liste. Oubliez la liste. Elle va au bio. À vos ordres, capitaine. Désolé. Nous nous assurerons que votre cadavre soit renvoyé en Cyrodiil. Suivez le capitaine. Ulfric Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'est rien, continuez. Oui, Général Tedrus. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius,
Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voudrez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant ? Chien d'Imperio ! Justice ! Mort au sombrage ! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Et maintenant, à vous. Ça recommence. Vous avez entendu ? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sentinelle, que voyez-vous ? Il est dans les nuages. Un dragon ? Comment est-ce possible ? Donc voilà, on est dans le jeu. Donc vous avez vu, c'était un vaste tutoriel au tout début. La vision est un peu sombre, vous trouvez pas ? Dès que je suis bourré. Ah voilà. Alors, bon. On va monter. Oh. Oula, attendez, j'ai pas envie de finir en kebab, hein, moi. Bon. Je m'en reviens, c'est par là. On passe par en dessous. On passe par là. Amig, venez par ici, tout de suite. Voilà, je suis là. Beau travail, vous faites des merveilles. Parole. Ouh là là, qu'il est pas beau. Ouh, qu'il est pas beau, le dragon. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Blablabla. Que Dieu vous guide. Ouais, c'est ça. Ah, oulala, oula. Attendez, je vais le voir, le dragon. Oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau, oh, qu'il est beau. C'est encore chaud. Oula. Donc vous voyez, c'est très scripté. Hein. Le dragon ne peut pas vous tuer au début. C'est un peu dommage d'ailleurs. Ça aurait été sympa s'il avait pu nous tuer. Ça aurait mis un peu de piment dans le tutoriel. Bon, je vais aller où ? Capin, à terre. Bonjour madame. Belle, dis donc. Lui, il va mourir, je sais pas pourquoi. Vas-y, tue-le ! Vas-y, dragon ! Non, t'as pas envie ? Ouh là là. Ah ! Oh putain, il m'a visé ce coup-ci. Eh ben j'ai rien dit, finalement on peut mourir face au dragon. On s'enfuit, Advar, et vous ne nous arrêterez pas cette fois. Très bien. J'espère que ce dragon vous enverra tous. Tout à fait. Peur du dragon. Si on allait se réfugier. Vite, vite. Fouf. Putain, il m'a surpris le dragon là quand même. Je savais pas qu'il pouvait nous incendier dès le début du jeu. Bonjour monsieur. Nous nous retrouverons à Sauvengard, frère. On dirait que nous sommes les seuls à en être sortis. Ouais, parce qu'on est des beaux gosses. Aucun doute, cette chose était un dragon. Comme ceux des légendes et des contes pour enfants. Ah, vos mains sont entravées. De la fin des temps. On ferait mieux de partir. Venez là, laissez-moi voir si je peux défaire ces liens. Et voilà. Prenez l'équipement de Gunnar tant que vous y êtes. Alors, il a quoi ? Il a une hache en fer, une cuirasse, et voilà, maintenant il est à poil. Très bien, mettez cette armure et faites. Je supporte pas l'interface. Franchement, l'interface, je sais pas pour vous, mais moi, elle me donne des crises d'urticaire. Que Moulinet
terminer avec cette hache. Je vais voir si je peux trouver un moyen de sortir d'ici. Et moi, je vais me battre avec le balai. C'est verrouillé. Voyons cette porte. C'est une clé. Bon sang, on pourra pas l'ouvrir de ce côté. Pas grave, il y a quelqu'un qui va venir. Allez, vous êtes à couvert. On va te tuer, vengeance. Viens tâter de ma grosse hache. Allez, viens ma cochonne. Au pied. Oh, déjà. Ouf, ouf. On va tourner en rond pour essayer de récupérer un peu. Voilà, elle est morte. Voilà. Bon, vu qu'on a un impérial, bah, il me semble qu'on peut déjà porter l'armure ici. Ouh. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que j'étais une femme. Donc c'est pas... Bon, attendez. Je vais mettre l'armure impériale, les bottes impériales, le casque d'officier impérial, les gants impériales. Et je crois que c'est bon. Comment est-ce qu'on voit... Ah, je sais plus c'est quelle touche pour voir le personnage de haut. Essayez de déverrouiller cette porte. Bon, c'est pas grave. Ah, c'était F. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié aussi. Désolé, hein, je prends un peu mon temps, mais je vais prendre... Voilà, comme ça. Une arme dans chaque main, parce que moi, je suis un beau gosse. Le problème, c'est qu'avoir une arme dans chaque main, si je me souviens bien, ça empêche de parer. Parce qu'un bouton est destiné... pour chaque main, et vu que vous avez une arme dans chaque main, bah vous êtes un peu baisé. M2 pour parer, d'accord. Pas grave, moi je passe. Hein. Allez, tiens! Eh, mais t'as pas envie de mourir, hein? Vous avez gagné. Voilà, quelques petites attaques fortes et c'est bon. On va vite prendre donc l'épée impériale. Hop, hop. Comme ça, on a deux épées dans chaque main. Ça, c'est beau gosse. Terminé. Ne restons pas ici. Alors, ça me rappelle un peu le début de Oblivion. Si vous vous rappelez, Oblivion, vous étiez dans une espèce de prison là que vous deviez vous échapper, c'était pas mal du tout si je me rappelle bien. Vas-y, va t'en toucher ma copine! Voilà. Ah, j'ai envie de crocheter un peu. Ah, j'ai pas. Ah, c'est quoi ça, lire? Ah, d'accord, hop. Pas comprendre. Une seconde. Je dirais qu'il... Des crochets, une potion de santé, ok. Chose dans cette cage. Donc, on va essayer de déverrouiller. Donc là, il y a le crochetage. Alors, utiliser souris pour faire tourner les crochets, appuyer sur Z pour tourner le verrou. Ok. Donc. Là, attendez. Non, c'est pas comme ça. Non. Attendez. Voilà. Et il y avait rien. C'était super utile. Alors attendez. Oups. Ah bah j'ai fait le fifou. Voilà, ça a cassé. Non, c'est comme ça. Non. Non. Voilà. Bonjour monsieur. Bon, on va prendre vos écus. On va prendre votre livre. Vous avez de l'or, des potions magiques. On va tout prendre. D'ailleurs, il faudrait que je trouve un patch justement pour décensurer tout ça. Ah, c'est comme ça. Ah, non, c'était pas comme ça. Hop. Et, ah, oh, mais non. Ouais. Ziva, qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Et il y a avec des os ici. Superbe. Ah, regardez les taches de sang sous mes épées. Ça, c'est pas beau. Je fais vraiment genre Conan le barbare. Enfin, là, c'est Conan la barbareuse plutôt. Mais j'ai inventé de nouveaux mots, je sais. Mais c'est pas le plus important.
Pas de garde, ok. Bonjour monsieur, vous avez juste une... Ah, oh, j'oublie toujours que quand j'appuie sur E, ça prend tout. C'est pas ici qu'il y avait un arc, je me rappelle plus exactement. Allez. Je crois qu'on va affronter des grosses araignées pas belles bientôt. La la la. Les ordres sont d'attendre l'arrivée du général Tullius. Ah non. Si, j'ai quitté le gâteau vivant, tiens, tiens. Voilà. Ah. Ah, je trouve ça assez aléatoire les combats dans ce jeu, sérieux. Enfin, je sais pas. Alors, prendre des flèches de fer. Derrière, normalement, il doit y en avoir un qui a un arc. Bon, ça, on s'en fout. Voilà. Maintenant, on va essayer de jouer un peu avec l'arc pour voir. Alors, on va équiper flèche de fer et l'arc long. Voilà. Ils sont où? Est-ce que je l'ai touché au moins? Ok. Oh, j'ai même pas mis un headshot quoi. Oh, tiens, toi meurs. Et attention, hein, parce qu'il faut quand même ramasser toutes les flèches, hein, ici. Bon, désolé, je retourne un peu dans l'inventaire. Désolé. Hop, hop, hop. Mais... Voilà. Ouh. Dès qu'il y a de l'essence par terre. Ça va, copain? T'as l'air de bien te débrouiller, en tout cas, c'est bien. Alors, ah, je crois que c'est ici qu'on va monter les araignées. Ah ouais, je le sens qu'à moitié là. Ok, non, c'est pas encore ici. Alors, regardez-moi cette belle grotte, hein, y a pas à dire, en termes d'immersion, Skyrim il fait quand même très fort. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je sais pas à quoi ça aura servi, mais... Oh! Oh, il avait une bourse! Allez, on continue notre aventure. Ah, mais les épées sont nettoyées maintenant. Ça va, t'es pas obligé de m'attendre, hein, mec. Hein, c'est pas comme si t'avais besoin de moi. Comme petite bourse. Ah, ça ne mène nulle part. Et là, t'es sûr que ça mène nulle part? Des araignées. Ah, ah, j'ai horreur des araignées, j'ai horreur des araignées. Ah, oh, qu'elles sont pas belles en plus. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Ah, je supporte pas les araignées. Ah, oh, c'est horrible. Oh putain, j'en ai des frissons. Tiens, connasse. Ah, oh, regardez, elles sont bien velues et tout là. Ah. Oh. Ah, je supporte pas ça. Ah, désolé, hein, mais je supporte vraiment pas les araignées. C'est un truc dont j'ai horreur. Bon, apparemment, là, il y avait des petites bourses. On va y aller. Ah non, c'était juste un crâne. Allez, continuons. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un ours. Allez, hop. Oula. Je suis caché là, oh, tu me vois pas. On va avancer doucement. D'ailleurs, si je marche normalement, est-ce qu'il va me spotter? Ah. Ah, il m'a détecté. Ouais. Retourne-toi là, tu me vois plus là. Allez, boost. Allez, fais le beau. Qu'est-ce qui s'est retourné? Bon, ras-le-bol, je vais me le faire. Allez, viens, connard. Tiens.
Voilà. Ah, saleté d'ours. Là, ça a servi à quoi de le buter vu qu'on devait aller sur le côté en fait? C'est vrai quoi. À quoi bon le tuer si. Bon, à pas avoir de XP. Hein. Alors. Bon, quand est-ce qu'on quitte ce truc de merde là? J'ai plus que des. Ah, ben nous y voilà. La sortie, on va aller sous la neige. Sous l'océan. Non. Non, on va pas commencer à chanter. Oh, le beau mammouth. Oh, qu'il est beau. Ouh, là, ça rigole plus. Regardez-moi ce beau décor. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà le dragon. Il s'en va. On dirait que c'est pour de bon cette fois. Impossible de savoir si d'autres s'en sont sortis en vie. Mais ça va bientôt brouiller d'impériaux ici. Ta gueule! Ta gueule! Ma sœur Gerdur tient la cité. Alors, on a quitté et mis la quête de la libération. Commencez avant la tempête. Il vaudrait sans doute mieux nous séparer. Bonne chance. Je n'aurais pas réussi sans votre aide. Allez. Bon, apparemment le point est vert là-bas. Ah, regardez-moi cette magnifique végétation. Vous savez, vous devriez m'accompagner jusqu'à Vendôme et rejoindre la lutte. Ah, c'est vraiment beau, y a pas à dire. Oh, coucou. Lapin. Lapin. Au pied. Tu vas venir, oui. Allez, viens. Oh, salopard. Il m'a abandonné. Ah, y a pas à dire, j'aime vraiment bien l'univers. Hein. C'est pour ça justement que j'aime quand même un petit peu les Elder Scrolls et tout ce qui est de. Bon, déjà, c'est qu'ils arrivent à vous créer un univers, mais de ouf, c'est incroyable quand même. Hein. J'ai pas rencontré de loup. Oh, regardez-moi ça, l'arrière-plan là, trop beau. Vraiment trop beau. Alors là, je dois choisir. Pierre du guerrier, la pierre du mage ou la pierre du voleur. Bon, ben moi, j'ai envie de faire le gros bourrin. Voilà, acceptez le signe. Et voilà, les constellations. Magnifique. Donc en fait, les pierres gardiennes vont déterminer votre arbre de talent. Qui sera lié à votre personnage et qui déterminera le style de jeu que vous allez prendre. Et bon, moi je voulais faire un gros guerrier bien bourrin. Hein. Vous me connaissez, hein. J'aime rentrer dans le tas et dans l'art aussi, accessoirement. Pourquoi y a pas une touche de sprint normalement? Non. Non. Dommage. J'ai pas envie de chercher après la touche. Bon, ben oui, hein. Skyrim, enfin les Elder Scrolls, c'est beaucoup de découvertes, beaucoup de visites. Hein. Regardez-moi ça, cette montagne au loin avec le petit nuage là qui le recouvre. Oh, c'est quoi ce bruit? Oh, ça sent des loups. Allez, venez mes petits chéris. Oula. Voilà. Bon, faut pas rêver, les loups, ça drop pas des golds. D'ailleurs, ça serait un peu bizarre si lui dropperait des golds. Je suis déjà étonné que parfois dans World of Warcraft il drop des objets, mais alors des golds. Oh, regardez-moi ça! Ouais, mesdemoiselles, vous venez avec moi? On va sous l'eau! Et on va. Faire des choses sous l'eau. Allez, je peux l'agir. Hop. Non, je peux pas. Ah si, je peux. Oula! Oula, par contre, là c'est bien moche. Hein. Là par contre, c'était bien moche. Ah là voilà, on arrive donc au premier village. Désolé si vous voyez quelques baisses de framerate, hein. N'oubliez pas que je joue sur PC et que mon PC n'est pas tout jeune. Je suis d'ailleurs étonné qu'il arrive encore à le faire tourner. Mais il est vraiment temps que je change, hein. Et ça sera prévu pour très bientôt. T'as vu un dragon? Quoi? Qu'y a-t-il encore, mère? Il était aussi grand qu'une montagne aussi noire que la nuit. Il vient de survoler le tertre. Des dragons maintenant? Par pitié, mère. Si vous continuez ainsi, tout le monde en ville vous croira folle. Bah oui. J'ai mieux à faire qu'écouter vos derniers délits. Ah, fils ingrave. Oh, toutou! Coucou, toutou, ça va? T'es pas beau, hein?
Ah ouais, franchement. Attendez, je dois aller où, moi? Je dois prendre le petit pont. Un petit pont et puissant. Ah, nous y voilà. Parmara, comme c'est bon de te revoir. Cet endroit est-il suffisamment sûr? Gerdur. Il paraît qu'Ulfric a été capturé. Je vais bien, Gerdur. Du moins, ça va maintenant. Vous avez mal? Que s'est-il passé? Et cette personne, fait-elle partie de ses compagnons? Ce n'est pas une camarade, mais une amie. Je lui dois la vie. Y a-t-il un endroit où on peut parler? Impossible de savoir quand les impériaux apprendront ce qui s'est passé à Helgen. Helgen? Il s'est passé quelque chose? Absolument. Suivez-moi. Odd, j'ai besoin d'aide. Ça ne prendra qu'une minute. Y a-t-il, femme? Elle est encore allée travailler sous? Odd, viens par ici. Ralof! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je descends tout de suite. Tu montres ta hache, tonton Ralof? T'as tué combien d'impériaux? Tu connais vraiment Ulfric Sombrage? Arrête, Frognard. Tes petits jeux ont assez duré. Allez surveiller la route du sud. Venez nous prévenir si vous voyez le moindre soldat impérial. Mais maman, je veux rester parler avec tonton Ralof. Regarde-moi ça, tu es presque un homme désormais. Tu pourras bientôt te battre, toi aussi. C'est vrai. T'en fais pas, tonton Ralof. Je laisserai pas ces soldats te prendre par surprise. Que se passe-t-il, Ralof? Vous avez l'air épuisés, tous les deux. Oh, je ne sais plus quand j'ai dormi pour la dernière fois. Oh, par où commencer? Eh bien, les nouvelles concernant Ulfric sont vraies. Les impériaux nous ont tendu une embuscade à la sortie du gué de Sombreflot. Comme s'ils savaient exactement où nous trouver. C'était il y a 2 jours maintenant. Nous avons fait halte à Helgen ce matin. Et je pensais que c'était fini. Ils nous avaient déjà alignés devant le bio du bourreau pour nous exécuter. Les lâches! Ils n'ont pas osé faire un procès équitable à Ulfric. L'accuser de trahison alors qu'il se battait pour son peuple, tout bord de ciel aurait compris la vérité. Et puis, surgit de nulle part, un dragon a attaqué. En chair et en os? Un vrai... Même moi, j'ai du mal à y croire. Et pourtant, j'étais là. Aussi étrange que ça puisse paraître, sans ce dragon, on serait mort. C'est la confusion qui nous a permis de nous enfuir. Nous sommes vraiment les premiers à rejoindre Rivebois? À ma connaissance, personne d'autre n'a pris la route du sud. Bien. Peut-être qu'on va pouvoir dormir un peu. Je ne veux surtout pas mettre votre famille en danger, Gerdur, mais... Oh, arrêtez. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire. Je m'occupe des impériaux. Les amis de Ralof sont mes amis. Tenez, la clé de la maison. Restez tant que vous le voulez. Vous pourriez faire quelque chose pour moi, pour nous tous, ici. Le Jarl doit savoir qu'un dragon rôde dans la région. Rivebois n'a aucun moyen de se défendre. Nous devons informer le Jarl Balgruuf à Blancherive et lui demander d'envoyer des troupes. Si vous faites ça pour moi, je vous le revaudrai. Merci, ma sœur. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Je retourne travailler avant qu'on ait besoin de moi, mais... Quelqu'un d'autre a-t-il pu s'échapper? Ulfric a-t-il... Il ne faut pas s'en faire. Il s'en est tiré, c'est sûr. Même un dragon n'arrêterait pas Ulfric Sombrage. Je vais les faire entrer et leur montrer où tout se trouve. Vous les aidez à siroter notre hydromel, oui. Bonne chance, frère. À plus tard. Ne vous en faites pas pour moi. Je sais me faire oublier. Donc voilà, on se retrouve. Attendez un instant. Je vais diminuer le son de la musique. Bah, il y a déjà pas... Peut-être diminuer le son des effets aussi. Ce serait pas mal. Hop. Que ça. Bon. Apparemment, je vais tout droit. Donc, on va aller tout droit. On va sortir les épées quand même. On sait jamais qu'on se fasse attaquer sur la route. J'avais pas envie d'aller dans la maison. De toute façon, j'ai envie de faire un peu de découverte. Ouh, le pauvre arbre.
Qu'a-t-il fait pour mériter une telle sentence, mes amis? Ouh, les oiseaux. Oh. Oh. Il y a ici mon loulou. Voilà. Oh, pauvre bête. Alors, c'est par là. Ouh, tout de suite, on change de décor. Hein. Là, on sent que le froid commence à s'immiscer dans le décor. Et moi, je fais le fifou, hein, j'avance. Au gré des cailloux qui sèment l'embûche. Ah, on dirait que c'est là-bas. Oh, regardez les amis, c'est le Rohan. Ah ouais, hein. Là franchement, il n'y a pas à dire, c'est pas le Rohan, je sais pas ce que c'est. Vous trouvez pas que ça ressemble beaucoup au Rohan, là? Si vous savez pas, le Rohan, c'est dans Seigneur des Anneaux. Les deux tours, si je me rappelle bien. Ah ouais, c'est bien les deux tours. Où est-ce que Aragorn arrivait au Rohan avec ses fiers compagnons de la communauté de la bite. Pardon, la communauté du bracelet, s'il vous plaît. Et bon, bah voilà. Bah oui, bah désolé. Hein. Là, ça sent bon le copier-coller. Bonjour, gérant. J'ai pas trop envie de les aider, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, allez, j'ai un fifou. Voilà. Vous vous défendez bien. Je crois que vous feriez une bonne sœur d'armes. Vous n'êtes pas du coin, hein? Vous n'avez jamais entendu parler des compagnons. C'est un ordre de guerriers, liés comme des frères et sœurs par leur honneur. Nous résolvons les problèmes quand la récompense en vaut la peine. Cette décision ne dépend pas de moi. Vous allez devoir parler à Kodlak Blancrin, à Yorvarskr. Ce vieillard a un don pour juger les gens. Il lui suffit de regarder quelqu'un dans les yeux pour connaître sa valeur. Bonne chance, si vous décidez d'aller le voir. Ouh, mais qu'elle est sexy, dis donc. Attendez, je regarde un peu plus près. Oh ouais, oh ouais, toi t'es mon genre de femme. Toi t'es mon genre de femme. Une bonne chasse en perspective. Allez, allons-y. Bon, je sais pas où est l'entrée. Et je m'en moque un peu. Hein. On va juste chercher, hein, en bon noob que je suis de la saga Elder Scrolls. J'ai les chevaux les plus rapides de tout bord de ciel. Ah ouais, c'est vrai. Une femme comme vous a besoin d'un cheval de guerre, j'imagine. Je suppose. Je viens justement d'en sceller un. Si vous avez l'argent. 1000 pièces d'or. Comme vous voulez. Va te toucher, je préfère encore te tuer, connard. Chevauchez, vite et loin. 1000 pièces d'or, mais putain. Il veut pas que je me mette à quatre pattes devant lui tant qu'on y est. Dommage qu'on sait pas vendre son corps. Hein. Vu que j'ai fait une femme, ça aurait pu être intéressant comme idée. Allez, allez. Ouh. Ah, oh, c'est beau. Ah voilà, y a pas à dire, je suis sur le popotin. Allez. Alors. Ah. On dirait que l'entrée est ici. Excellent. Bonjour mamie. C'est quoi ce regard là? Eh, vas-y, va, tu veux qu'on se la donne là? Tu veux qu'on se la donne là? Hein? 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 Tu veux qu'on se la donne? Non, je vais pas le faire fifou parce que j'ai pas envie de recommencer après. Oh, toi, t'as pas une belle arme. Halt! La ville est fermée à cause des dragons. Mmh. Seules les affaires officielles sont autorisées. Rivebois est en danger, elle aussi. Dans ce cas, allez-y. Vous trouverez le Jarl à Fort Dragon. En haut de la colline. Ok, bon, on va pas dire que ça aurait été difficile hein, de négocier avec lui. Petit temps de chargement. Ah, ça, c'est le truc du crocheteur. Ah, oula, je sens le framerate qui descend là. Nous devons impérativement avoir davantage d'épées pour les soldats impériaux. Voilà. Donc, c'est par là. Admirons quand même un peu. Oh oui, oh oui, oh oui. Là, y a pas à dire. Franchement,
Si vous aimez ce genre de jeu, bah déjà, je crois que j'ai pas besoin de vous conseiller de l'acheter, hein, parce qu'à mon avis. File-moi ton argent. J'ai pas de sous. Donne-moi 10 septimes demain, guerrier né. Sinon, je t'éclate le visage. Non, s'il te plaît. Garçon. Oui, salut. Je peux vous aider ? C'est pas rigolo d'être bouscule. Eh ben, je sortais en cachette. Mila et moi, on escaladait le toit de... Blablabla. J'ai arrêté de faire tout ça. Mon père m'attrape tout le temps et j'ai des tas d'enfants. Mais à bien ta vie, allez. Ah, c'est vrai qu'en plus, ils avaient sorti un patch sur PC pour pouvoir tuer les enfants. Bon. Ah, mais franchement, il y a une belle imagination. Là, je suis vraiment... Oh, regardez, c'est Thor ! C'est Thor ! Ah ben non, c'est vrai, Thor n'a pas une dague. Enfin, une lame, plutôt. Oui, oui, je sais qu'il y en a certains qui vont venir me dire « Ouais, non, c'était lui, il se faisait un culte. » Ben, n'hésitez pas à m'insulter, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, moi, je suis pas un expert de ce genre de jeu à ce niveau-là. Donc, je ne vous en voudrais pas si vous me remettez dans le droit chemin. Allez, on va passer. Ah, temps de chargement pour cette porte. Tu t'es foutré pas de ma gueule un peu, là ? Tu t'es foutré pas de ma gueule ? Ouh. Ouh. Oh, il y a une tête de dragon, là-bas. Rien du tout. Je vous en prie, évitons les actions précipitées, Seigneur. Que signifie cette interruption ? Le Jarl Balgruuf ne reçoit aucun visiteur. Alors qui est-ce ? Eh bien, voilà qui explique pourquoi les gardes vous ont permis d'entrer. Venez, le Jarl va vous recevoir en privé. Alors comme ça, vous étiez à Helgen ? Vous avez vu ce dragon de vos propres yeux ? Vraiment ? Eh bien, vous n'avez pas peur de parler sans détour de votre passé criminel. Mais les condamnés à mort de l'Empire ne m'intéressent pas. Et encore moins maintenant. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Helgen. Par Ismir, Irilet avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, Proventus ? Devons-nous continuer à croire en la solidité de nos murs contre un dragon ? Monseigneur, nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rôde dans ces montagnes, le danger Jarl est imminent. Le Jarl d'Etervin considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric et que nous allons l'attaquer. Nous ne devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie et massacre mon peuple. Irilet, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon Jarl. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. Il vaudrait mieux, oui. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blancherive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. En gage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui sied peut-être à vos talents particuliers. Venez. Allons voir Farangar, le sorcier de ma cour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Et... ces rumeurs de dragons. Ça, les amis, c'est ce que j'appelle un roi. Un vrai roi. Ah, d'ailleurs, en attendant, il m'a donné une armure. Une armure d'acier. Ah ouais, je gagne en valeur d'armure. Je ressemble à quoi, maintenant ? Que voulez-vous que je fasse, mon gars ? Ouais. Votre frère est le Jarl. Oh, regardez les animations ! Ah non, là, je suis désolé, mais c'est vraiment horrible, là, quand vous regardez votre perso à troisième personne. Ah, votre perso à la troisième personne. Oh, je peux vous voler votre diamant, il a l'air. Je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation de votre projet concernant le dragon. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Jarl vous croit capable de m'aider ? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein ? J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragons. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées, trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la-moi. Il n'y a pas plus simple.
C'est un ancien tombeau construit par les Nordiques. Il doit bien remonter à la guerre draconique. Ah, vous voulez sans doute savoir comment vous y rendre. Il se trouve près de Rivebois, un petit village piteux à quelques kilomètres au sud d'ici. Je suis sûr qu'une fois là-bas, les habitants vous indiqueront la route à suivre. Comment dire ? Il faut bien préserver certains secrets. Allez, on va y aller. Donc maintenant, on doit retourner à Rivebois, à pied bien sûr. Et moi, j'ai pas de cheval à seller, donc j'ai pas envie de le voler non plus. Parce que sinon, je crois que je vais prendre cher. Oh, tout d'un coup, il fait plus sombre. Hein. Je passe beaucoup de temps aux étoiles du matin. Ah, oh, il est pas mal le ciel. On voit même les étoiles, regardez ça. Oh. L'immersion, les amis. Ce jeu s'appelle Immersion. Si je marche dans l'eau, est-ce qu'il y a un effet? Non? Attendez. Ça va baisser, ça marche automatique. Ouais. Ouais, je me mets en marche automatique, là. Mode gros flemmard. J'ai mis des semaines. Bon, je dois sortir. La question, c'est par où on sort maintenant. Bon, bah, je suppose que c'est par là. Salut, gros boss. Y a pas une carte? Ah, si, y a une carte. Attendez. Ah! Alors, je dois aller à Rivebois. Voilà, oui. Ah, au moins, ils ont mis des déplacements rapides, c'est déjà pas mal. Voilà, nous y sommes. Et on me dit d'aller derrière. Allez, mode marche automatique. Ah, vous voyez, là, le temps s'est avancé en même temps que vous... Que vous téléportiez, c'est pas mal la gestion du temps. J'attends de voir les premiers trucs enneigés, ça serait vraiment bien. Bon. Bon, on va passer dans la flotte, hein. Oh, un cerf. Et coucou! Allez! Dépêche! Vas-y, va! Où tu vas là? Eh! Hey, oh! Oh putain! Il veut pas que je le bute! Il est vilain le cerf quand même, hein! Je sais pas, j'arrive dans un jeu, moi j'ai envie que tout le monde s'offre à moi pour que je le bute! Moi, y a pas de problème! Ouh, je sens à moitié ce machin. Je sens vraiment à moitié, là. Hop. Hop. En espérant qu'il n'y ait pas un gros monstre qui sort de nulle part pour venir me faire la tête au carré. D'ailleurs, comment est-ce qu'on monte? J'avais vu quelque chose, mais... Oh. Bon, on va faire le tour un peu. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça... Est-ce que je peux pas me TP directement dans la zone? Ah non, je ne peux pas. Et c'est bien dommage. Bon. Est-ce que je fais ça à l'ancienne? Je monte par les rochers. Non, je crois pas que ça va être possible. La pente est trop glissante. Mais bon, apparemment le chemin a l'air d'être ici. Si je ne me trompe pas. Point. Eh, je me suis trompé. Bien sûr, hein, il fallait que ça m'arrive. Je sens que ça va déjà m'énerver, ça. Ah, j'aime pas chercher pendant 4 heures comment il faut aller dans un point, sérieux. Pourtant, ça avait l'air d'être là-bas, quoi. Ou alors, je l'ai mal vu. Si moi, il y avait une touche de sprint, là. Non, non, là, je suis dans le mauvais sens, c'est obligé. Il doit y avoir un truc, un petit chemin dans le coin. Est-ce que ça je pourrais le monter? Est-ce que vous croyez que je pourrais le monter? Il y a peut-être bien moyen. Ah bah non, il y a peut-être pas moyen en fait tout court. Quoique. Ah bah non, il veut pas, hein. Il veut pas, hein. Pourtant je suis bien dessus, je suis bien droit et tout. Mais non, il a pas. Oh. Ah, écoutez la musique.
Bah ben voilà, bah, j'ai réussi à monter, je ne sais comment. J'ai fait le fifou, et voilà, j'ai réussi à monter. Ah. Vas-y, va. Oula. Ça marche, c'est une archère. Si, je peux, regarde. Ah, oh, tu vas glisser jusqu'où? D'ailleurs, juste pour le fun, je vais tout prendre ce qu'elle a. Comme ça, elle va se retrouver à poil. Ah, bah t'étais pas belle, donc... Ah, bah voilà, un effet de tempête de neige. Excellent. Ah, il y en a encore un qui m'en veut, apparemment. Ah, ouais, il y en a encore un qui m'en veut. Qu'est-ce qu'il y a, connard? Tu veux qu'on se la donne? Tu veux qu'on... Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Tant mieux. Et voilà. Problème réglé. On va prendre la bière, on va prendre les flèches et c'est bon. Et on va entrer dans l'instance, enfin dans l'instance, dans le donjon pour voir ce qu'il y a. Nous y voilà. Ah, je craque un peu mes doigts, désolé. Ouh. Bon, en tout cas, ça annonce la couleur déjà. Attends, quelqu'un là-bas. Mode furtif. Ah! Oula! Comment j'ai fait ça? Comment est-ce que j'ai fait ça? D'ailleurs, je vais voir un truc quand même. Une masse d'acier. Bah non, je perds en dégâts. Par contre, je dois avouer que le bouclier pourrait être intéressant. On va regarder un peu, vous m'excusez un instant. Ah non, ça doit être dans les tenues. Non. Ah! Ok, voilà, on va jouer au boubou un peu. Je sens qu'il va y avoir des belles araignées qui vont pas tarder à arriver. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien. Alors, oulala, oulala. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Morceau de lin. Ah, ça peut être utile pour le crasse, ça. Cool. Je cherche dans une urne funéraire quelque chose qui ne servira à rien. J'aime bien là comment la végétation a pris le pas sur ce temple. Ah, lui, il faut que je me le fasse. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrive derrière comme un gros fourbe? Quelle bonne surprise. Bien. Vous allez me le payer. Quoi? Je vais mourir? Oula, désolé. Ah, j'étais focus. Ah, il avait une épée en acier, lui. Ah, des gantelets en peau. Ça, je crois pas que j'ai.
Alors. Ah si, j'avais des gantelets impériaux. Désolé. Bon, bah, vu que ça servait à rien. Je reprends mes deux épées. Bon. Alors. Donc, à vue de nez. Ce serait serpent. Ce serait serpent, thon. Et serpent. Je suis pas sûr de ce que ça va faire. Voilà. C'est pas ça le code. Ah non. D'accord, je viens de tilter en fait. Serpent, thon. Voilà, normalement c'est ça maintenant. Voilà. Je me disais aussi. Oh là là, je vois deux gardes. Ouais, allez, prends le livre. Alors, hop, voilà, on prend les potions. L'urne funéraire, y'a rien. Oula, c'est quoi ça? C'est un rat géant! Alors, on va descendre. Voilà. Oula! Encore un! Plouc! J'ai peur! Ok. Allez. Il y a quelqu'un? Arknir, c'est toi? Björn, Soleil. Je sais que le surpreneur est actif, mais j'ai besoin d'aide. Oh là là! Ne laissez pas cette chose m'attraper! Au secours! Allez, meurs! Ah bah je suis mort. Bah voilà. Ça résume bien le jeu, à quel point je sais pas jouer. Ah bah c'est pas ma faute hein. Ouais, moi j'y peux rien hein, moi je supporte pas ce genre de jeu. Hein? Je recommence depuis le début? Oh non c'est bon, je me casse, allez hop. Rien foutre. Allez. Oh non, rien à foutre, hein, j'ai pas envie de continuer là. Ouh. On va aller avancer un peu. Hein. Me dis pas que les gardes ont respawn, ça serait quand même con. Est-ce que je peux faire une chute de ouf? Oh, j'aimerais bien faire une chute de ouf. Alors. On peut voir si une chute pareille va me tuer. Ouais! Eh bah ouais. Oh, j'ai bien rebondi en tout cas. Oh, vas-y, rebondis, continue à rebondir. Oh, dommage. Bon, j'aimerais quand même retrouver des escaliers. D'ailleurs, je vais faire d'abord une petite sauvegarde, si vous permettez. Voilà. Ah! C'est dommage qu'on s'est pas décapité. Ça aurait pu être sympa si on avait pu. Oh, regardez-moi ça, l'effet de la neige et tout! Regardez, même mes lames, j'ai l'impression qu'elles commencent à givrer. Là. Ah, j'ai rêvé ou j'ai vu un garde là-bas? Eh, je suis un fifou, moi je saute! Non, non, c'était pas un garde, c'était une connerie. Wouhou! Ouais! Oup! Bang! Bang! Ah, me fait bien marrer la physique dans le jeu. Ah, je suis morte! Ah. Bon bah allez, je crois qu'on va se laisser ici, hein. Ça fera quand même une bonne petite vidéo. Vous avez vu, hein, je suis vraiment un gros noob à Skyrim, hein. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie le plus à ce niveau-là. Et là, si je saute, est-ce que je meurs aussi? Non, ça tient bizarrement. Apparemment, il y a une hauteur maximale qu'on ne doit pas dépasser.
Bon, enfin bref. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je sais que j'avais dit 2 heures, mais comme vous pouvez le constater, si j'avais même pas passé une araignée à la con, ben on va pas aller très loin, hein, à part peut-être rager, hein, et j'ai pas envie de subir le syndrome Super Meat Boy. Parce que vous m'avez vu sur Super Meat Boy, ça donne pas des choses jolies jolies, hein, on va dire. Oh, oh, oh oui, ça c'est un saut de ouf, oui. Hop. Bong. Bong. Je suis morte. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. J'avais dit que je ferais une vidéo sur Skyrim, je l'ai faite, voilà. Par contre, n'espérez pas voir un wall truc carrément dessus. Ça, faut pas rêver, hein. Limite, je veux bien me retaper tous les Assassin's Creed, du 1 jusqu'au Brotherhood, et vous faire un wall truc là-dessus, plutôt que sur Skyrim. Parce que moi, y a moins de liberté d'action, et ça me plaît beaucoup plus d'un point de vue scénario. Bon allez, je vous laisse, je vous fais plein de poutou partout. N'oubliez pas d'avoir la... attitude. Oh, regardez. Quand je fais ça, on a l'impression que je vais la mettre dans le cul de quelqu'un. Enfin, bref. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin du rock'n'roll. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo de Star Wars The Republic. J'espère d'ailleurs qu'on va finir très prochainement le scénario. Parce que vous avez vu... Enfin, nous, de ce qu'on a vu, en tout cas, on a presque fini le scénario. Donc j'espère que ça vous plaira, autant que nous on aura pris du plaisir à jouer avec nos persos et arriver jusqu'à la fin. Allez, sur ce, je vous laisse, je ne le dis plus, et pour la fin, je vous laisse en compagnie de mon perso très dénudé normalement. Oh ouais. Ah, elle a quand même des beaux lolos, hein. Y a pas à dire, hein. Par contre j'espère que t'as pas froid dans la neige là. Allez. Allez, sur ce, je vous laisse réellement. Ciao, bye, prochain de vous et peace.